Bonsoir. Après un dimanche plutôt arrosé pour la plupart des régions, eh bien, c'est une semaine très agitée qui commence avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation dès demain matin par l'ouest, par le nord-ouest, avec des pluies modérées à fortes. On va retrouver sur l'est les restes de la perturbation d'aujourd'hui avec des pluies. Et entre les deux, beaucoup de nuages, de rares éclaircies et quelques ondées. On aura simplement quand même du soleil près de la Méditerranée, mais avec toujours du vent qui souffle fort jusqu'à 70 km à l'heure. Dans l'après-midi, même chose, la perturbation va avancer. On va donc retrouver ces pluies sur toute la partie ouest du pays, ou pratiquement, avec des pluies un peu plus faibles dans sa partie sud-ouest, du vent qui se renforce, et sur l'est, on devrait apercevoir quelques éclaircies, un ciel qui deviendra voilé près de la Méditerranée. Alors, les températures, vous imaginez bien dans tout ça, eh bien, ça va baisser. Baisse déjà pour les minimales et également une baisse accélérée pour les maximales. On sera 6 à 7 degrés en dessous des normales saisonnières sur la plupart des régions. En fait, seul l'extrême sud-est conservera des températures à peu près chaudes, estivales, mais 26 degrés seulement, alors que l'on avait des 32-33 degrés aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, ça continue avec donc ces perturbations qui défilent. On aura même de la neige en montagne à partir de 2300 mètres, un vent de nord, et donc il fera très très froid. Mauvais temps partout, mardi, mercredi, ça va s'améliorer sur l'extrême sud du pays, et pour la suite, eh bien, de mieux en mieux, puisque l'anticyclone va revenir par l'ouest. On le voit s'installer petit à petit, repousser la perturbation. Samedi et dimanche, on devrait avoir un temps agréable avec enfin une hausse du thermomètre. Demain, nous fêterons les Bernards. Bonsoir à tous. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. La météo des plages sur France 3 avec les magasins Jouet Club, la passion du jouet. Ce ne sera pas vraiment une belle journée pour aller à la plage demain avec des pluies fortes à signaler sur tout le nord-ouest, avec même des orages sur le Cotentin, une mer forte, du vent sur les côtes de l'Atlantique. Ce sera la même chose, la perturbation va descendre dans l'après-midi et donner là aussi des pluies modérées à fortes et des averses dans la partie sud avec une mer forte, température de la mer entre 19 et 22 degrés. En Méditerranée, c'est du soleil, mais il y a beaucoup de vent, avec donc un vent de force 7 et une mer agitée du côté de Toulon et des températures de la mer comprises entre 21 et 24 degrés. Bonsoir. C'était la météo des plages sur France 3 avec les magasins Jouet Club, la passion du jouet. Du 25 août au 2 septembre, la tension monte sur France 2 et France 3. Les plus grands athlètes partent à la conquête de tous les records. Tous en piste pour les 11e championnats du monde d'athlétisme. Le Japon devient terre de courage et source de victoire. En direct d'Osaka, vivez l'exploit dès vendredi à minuit 35 sur France 3. Tout le sport, un concentré de talent et de performance sur France 3 avec Daihatsu, constructeur de véhicules compacts. Tout le sport, c'est simple sur France 3 avec les magasins de bricolage Weldom. Bonsoir, l'Angleterre en une de tout le sport, pas celle du rugby qui a perdu contre les Bleus 22 à 9, mais celle du foot et des affiches grandioses. Liverpool-Chelsea, Benoît Durand. Depuis des siècles, les témoignages sont formels. Le paradis est au bout d'un long tunnel. À Anfield, c'est encore mieux, il y a même le chant des sirènes et la poule aux œufs d'or venue de Madrid. Fernando Torres, 36 millions d'euros de transfert et un premier but qu'il vaut bien. 1-0 pour Liverpool, de quoi chauffer l'ambiance. Des blues, plus des reds, ça donne du jaune. De ce côté-là, match nul, 4 avertissements partout. Même chose au tableau d'affichage, action anodine, Malouda est à la piscine, l'arbitre plonge et accorde un pénalty, transformé ensuite tranquillement par Lampard. L'anglais rouvre le tiroir à caisse, un but, une prime, mais on en reste là. Score final 1 partout, malgré ce dernier centre pour Pizarro, le Péruvien rate une occasion en or. Finalement, c'est pas le Pérou.
C'est le cas de le dire. Gala Saint-Certin, Rotten Forfait, c'est Michael Sylvestre qui a été appelé en équipe de France. La Ligue 1 en question, les clubs réputés moins huppés résistent. Lyon et Toulouse en font l'amer constat. Loïc Piala. Lyon n'est plus le seul prédateur de la Ligue 1. Monaco, Paris et maintenant l'OL, les Lorientais ont pris goût au gros poisson. Marama Vairua, ancien aiglon niçois, s'envole. Et Lyon, qui signe son plus mauvais démarrage depuis le début de son règne, revient sur terre. Ça fait plus mal mentalement parce qu'on n'a pas l'habitude de perdre souvent. Mais c'est une autre saison qui a commencé. Ce qu'on a fait sur le passé, c'est terminé. Blessure en série, tension en coulisses, réussite en berne. L'équipe n'arrive pas encore à inverser la tendance comme l'an dernier. Le champion rugit par instant grâce à ses individualités, Karim Benzema en tête. Mais le jeu collectif n'est pas au point, contrairement à Lorient. Déjà deux défaites en trois matchs. La saison dernière, l'OL n'avait perdu que 5 fois en championnat. Un autre représentant français en Ligue des Champions vit un été compliqué. Deuxième défaite avec 3 buts encaissés face à un promu, Strasbourg en bleu. Le tout à domicile, ça fait désordre pour Toulouse. Une satisfaction quand même, la première réalisation de la recrue, André-Pierre Gignac. Les autres résultats de la journée, la deuxième défaite de Sochaux, la première victoire d'Auxerre, le nul du leader Manceau et toujours pas de victoire pour le PSG. Le tournoi de basket de Paris et les Français conquérants à 15 jours de l'Euro en Espagne. Les Bleus se sont rassurés. Démonstration face à la Russie, Tanguy Skouazek. Facile, ficelle. Les Bleus n'ont fait qu'une bouchée de la Russie cet après-midi à Coubertin, avec notamment un premier carton à donner chaud, un deuxième ligne de rugby. Un festival à l'attaque comme en défense et en récupération. Mais ce n'était pas tant pour épater leurs confrères du 15 de France que du fait de l'inertie des Russes. Tony Parker, principal auteur de la démonstration, n'est pas sans le savoir. Le niveau de l'Euro auquel il se prépare devrait se situer sensiblement plus haut. Boris, il vient juste de revenir. C'est sa deuxième fois maintenant qu'on joue au complet. Donc, le plus gros de notre travail, c'est qu'on essaie d'être plus fluide en attaque, qu'on bouge un peu plus la balle, parce que quand il y aura des grosses défenses, c'est là où on verra si on est prêt. 92 à 56 en fin de rencontre. Il est évident que ce France-Russie ne sera pas un match référence, seulement un bon indicateur de confiance à 15 jours du match d'entrée contre la Pologne et à quelques heures de l'annonce de la sélection définitive pour cet Euro. D'ailleurs, faire chaud comme Morandé encore sur la sellette à l'heure des derniers points du match n'en ont pas moins été en réussite. Et d'ailleurs, on vient de l'apprendre, l'ailier Morandé et l'intérieur Jifa ne feront pas partie du groupe pour l'Euro en Espagne. Les autres infos du jour, Roselyne Pagès, c'est parti. C'est parti pour la quatrième et dernière étape de la solitaire du Figaro. Les 48 marins se sont élancés de la Corogne et doivent rallier les Sables d'Olonne d'ici mardi. Christopher Pratt et Gildas Morvan mènent la flotte. Le ticket pour la finale, dans la douleur pour Roger Federer. À Cincinnati, le numéro 1 mondial est venu à bout de Leighton Hewitt en 3-7, 6-3, 6-7, 7-6. Ce soir, il affronte l'Américain James Blake. À Toronto, pas de finale en revanche pour Tatiana Golovin, la Française éliminée par la Serbe Jelena Jankovic. Défaite en 3-7, 5-7, 6-3, 6-2. Il peut jubiler, Casey Stoner, l'Australien plus que jamais leader du championnat MotoGP après sa victoire cet après-midi au Grand Prix de République Tchèque. Stoner creuse l'écart avec son dauphin Valentino Rossi, seulement 7e de la course. Le Français Randy Depugnier, lui, se classe 8e. Malin, très malin, Alessandro Ballan. À Hambourg, l'Italien a coiffé au poteau les meilleurs sprinteurs et remporte sur le fil la C-Classics. Il devance ainsi Oscar Fréré et Gerald Ciolek. Outre-Rhin, on l'appelle le Kaiser. Sébastien Loeb vient de remporter son 6e rallye d'Allemagne. Au général, le Français revient sur Grenholm. Christian Choupin. Ce matin, Sébastien Loeb s'élance avec plus de 37 secondes d'avance sur Marcus Grenholm. Gestion de course parfaite et domination de notre Français sur l'asphalte, son terrain de prédilection. Encore quelques encablures et Sébastien va remporter le rallye d'Allemagne. On ne pouvait rêver meilleur épilogue pour la suite du championnat. Marcus à plus 30.
Quelques centaines de mètres à parcourir, Sébastien a la victoire dans la poche, mais Guy Fréclin, le patron de l'écurie au chevron, s'intéresse assidûment à un fait marquant. Dans cette dernière spéciale, Marcus Grönholm, sous pression, sort de la route et dégringole au classement. Près d'une minute de perdu, il termine quatrième, aussi vite que cet autre Citroën 2 chevaux. Au championnat, Sébastien n'a plus que 8 points de retard. C'était le podium au minimum, mais c'était surtout essayer de gagner pour inverser la tendance et arrêter l'écart que Grönholm est en train de creuser. Chez Citroën, il y a de l'entraide, même avec l'écurie privée Kronos. François Duval a fait craquer Marcus Grönholm et le Belge s'est hissé à la deuxième place du rallye à 20 secondes 3 dixièmes de Sébastien. Le championnat quitte désormais l'Europe pour la Nouvelle-Zélande, où l'on espère voir Sébastien Loeb poursuivre sa remontée au championnat pour un possible nouveau titre mondial. Demain 20h05, vous retrouvez l'équipe Pierre-Henri Brandet, Jean-Philippe Guillain. On se quitte avec du VTT à Montmartre, une belle descente au pied du Sacré-Cœur malgré une piste un peu humide. Au final, le Français Cédric Gracia l'emporte. 12 soirées sur France 3. C'était Tout le sport, un concentré de talent et de performance sur France 3 avec Daihatsu, constructeur de véhicules compacts. Tout le sport, c'est simple sur France 3 avec les magasins de bricolage Weldom. Je suis Cyril Hanouna et comme chaque dimanche sur France 3, je vous propose des caméras cachées, des parodies, des jeux. C'est dans quelques instants là, c'est tout de suite, donc restez avec nous. C'est pas bientôt fini là, s'il vous plaît. Merci, allez, à tout de suite. Bonsoir, je suis Pierre Palmade. Je ne m'en vante pas, mais je ne m'en cache pas non plus. Je vous retrouve dans Madine Palmade, l'émission. Non, pas longtemps. Sur France 3 ouais. Aujourd'hui, Consomag fait le point sur les offres commerciales des nouveaux fournisseurs d'énergie. L'ouverture à la concurrence, si ça peut permettre de tirer les prix vers le bas, moi je n'y vois aucun inconvénient. Ce serait intéressant d'aller voir les autres compagnies. Je ne vais pas me précipiter sur la première offre. Peut-être qu'on va y gagner, peut-être qu'on va y perdre, on ne sait rien du tout. Au 1er juillet 2007, les particuliers pourront choisir leur fournisseur de gaz et d'électricité parmi une quinzaine d'offres. Dans votre logement actuel, vous pouvez conserver votre offre réglementée. Vous pourrez opter aussi pour une offre commerciale auprès du fournisseur de votre choix. Dans ce cas-là, vous devez savoir que vous ne pourrez pas revenir à l'offre réglementée. Le changement de fournisseur, lui, est gratuit. Il est rapide, moins d'un mois. Il se fait sans changement de compteur et surtout sans aucune interruption de service. Pour en savoir plus, les consommateurs peuvent consulter la liste des fournisseurs de gaz et d'électricité sur le site internet energie-info.fr. Avant de modifier votre contrat d'énergie, comparez bien toutes les offres. Des fiches techniques, toutes réalisées sur le même modèle par les fournisseurs, vous y aideront. Sachez que l'énergie vendue par les fournisseurs ne variera pas en qualité d'un fournisseur à l'autre. Et n'oubliez surtout pas que si vous perdez le bénéfice du tarif réglementé en modifiant votre contrat, ce sera définitif pour vous-même comme pour votre logement. Retrouvez Consomag sur conso.net, une émission préparée avec le Conseil national des associations familiales laïques. Attention ! Poule ! Wow. T'as vu ça un peu? Poule! Oui! Oh, dans le mille! Poule! Yes! Ouh, elle était sale celle-là! Poule! Oh, c'est quand même plus sympa quand c'est toi qui fais la vaisselle. Ouais, hein. Je sais, ouais. Attention là. L'assiette à soupe. L'auto à quel tour? Allez, poule! Alors Michel, un bilan sur les 100 premiers jours du nouveau président? Eh bien, très positif. Il ne vieillit pas trop vite, il garde tout son bon goût. Bref, j'ai envie de dire, promesse tenue. Certains disent que tout ce succès est dû à sa cloche. C'est vrai, Valérie. Elle lui permet de garder son bon goût et c'est en cela qu'elle est unique. Alors là, Michel, j'ai envie de dire, il est excellent ce nouveau président. Et c'est le seul camembert à avoir une cloche micro-aérée.
Cloche saveur président, bien manger c'est le début du bonheur. Salut, c'est encore moi. Vous connaissez le triple play, internet, télévision, téléphone. Secretin.fr, ils ont inventé le triple play. Le petit break. Two games to one.